everybody. Bonjour tout le monde. Happy to see you all today. Je suis content de vous voir tous aujourd'hui. I hope everybody can hear me all the way in the back. J'espère que tout le monde là-bas en arrière peut nous entendre. So today's gonna be a different message. Donc aujourd'hui ça va être un message différent. It's gonna be a topic I've never preached on before. Ça va être un sujet que j'ai jamais prêché. It's gonna be a controversial topic. Ça va être un sujet contradictoire. But an interesting topic. Mais très intéressant. So in my 2 years being a pastor. Donc ça fait dans mes 2 ans que j'étais pasteur. I have never preached on this before. J'ai jamais prêché là-dessus. You guys want to know what it is? Yes! Yeah. First, we're going to pray. So, Father God, thank you so much for this day. Père éternel, merci pour cette belle journée aujourd'hui. Thank you for your word. Merci pour ta parole. I pray Holy Spirit. Je prie Saint-Esprit. That you will speak to us today. Que tu nous parles aujourd'hui. Help us to be receptive to your word. Aide-nous à être réceptifs à ta parole. And help me to be faithful to your word. Et puis aide-moi à être fidèle à ta parole. Just take full control in this moment, Father. Prends tout contrôle de ce moment, Père. Lead and guide us into all truth. Dirige-nous dans toute la vérité. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. So the title of today's message. Donc le titre du message aujourd'hui is What does the Bible say about financial prosperity? C'est ce que la Bible dit par rapport à la prospérité financière. So as I mentioned, I know this is a controversial topic. Donc comme j'ai mentionné, je sais que c'est un sujet controversé. If you may have invited someone, you may be telling yourself, oh no, why today? Si tu as invité quelqu'un aujourd'hui, peut-être tu te demandes, oh, pourquoi aujourd'hui? Because the church in general has a very bad reputation about this topic. Parce que l'église, généralement, a une très mauvaise réputation par rapport à ce sujet-là. For those of you guys who know me personally, donc pour ceux qui me connaissent personnellement, you know that I really don't care about money. Vous savez que pour moi, ce n'est pas une grande importance, l'argent. Every single one of you in this room, chacun de vous dans cette pièce, I have never one time asked you for money. Je vous ai jamais demandé une fois pour l'argent. You know, there's a man of God named George Mueller. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle George Mueller. He was someone who was well known. Il était quelqu'un qui est très connu. In church history. Dans l'histoire de l'Église. He was known for feeding 10,000 orphans throughout his lifetime. Il a été connu pour nourrir 10,000 orphelins. And his mission, et puis sa mission, was to prove that God is real. Était de prouver que Dieu est vrai. By trusting in him for all his needs. En lui faisant confiance à ses besoins. To show unbelievers that God is a living God who provides for his children. Pour montrer aux non-croyants que Dieu est un père qui pourvoit pour ses enfants. So he said that I will never tell anybody about my needs. Alors il a dit que je vais jamais dire à personne mes besoins. No matter what I'm going through. Peu importe ce que je traverse. He said I will only tell God. Il a dit je vais seulement dire à Dieu. And throughout his lifetime. Et puis à travers sa vie. He was able to raise 10,000 orphans. Il a été capable de prendre soin de 10,000 orphelins. They never lacked any need. Et puis ils ont jamais manqué de rien. And he's had millions of dollars go through his hands. Et puis il a eu des millions de dollars passer à travers ses mains. Not for him to keep it for himself. Pas pour lui, pour le garder pour lui-même. But to help orphans and to invest and support missionaries. Mais pour aider les orphelins et de supporter des ministères, des missionnaires. And so through his life, et puis à travers sa vie, he demonstrated what it means to live a life of faith. Il a démontré c'est quoi vivre par la foi. And in my almost 2 years starting this church, et puis moi dans mes 2 ans que j'ai commencé cette église, for almost 2 years, pour presque 2 ans, we have never taken up an offering. On n'a jamais demandé pour un offrande. And I personally, I'm inspired by men like George Mueller. Et puis moi, je suis personnellement inspiré comme des hommes comme George Mueller. Who never asked money from anybody. Qui n'ont jamais demandé de l'argent de personne. Who never told people what financial struggles he was going through. Et puis il a jamais dit à quelqu'un à travers ses besoins financiers. Except for God.
sauf Dieu. Because if you tell people your needs, à cause que si tu dis à des gens tes besoins, if you tell people your struggles, si tu dis aux gens tes défis, they may give you, peut-être ils vont te le donner, because they see your need, à cause qu'ils voient tes besoins. But you won't know if it came from God. Mais tu vas savoir si ça vient de Dieu. It may have come just from them. Peut-être ça va juste venir de eux. But if you only tell God, mais si tu dis à Dieu, and you don't tell anybody else, et tu dis à personne d'autre, and the money comes in, et puis l'argent vient, then you know it's from God. Et puis là, tu sais que ça vient de Dieu. And so I use the same principle. Et puis moi, j'utilise le même principe. I never tell anybody my financial needs. Je dis à personne mes besoins financiers. I only tell God. Je le dis seulement à Dieu. That way I know that when God provides. Donc dans cette façon-là, quand Dieu va pourvoir, I know that I didn't manipulate people. Je vais savoir que j'ai pas manipulé les gens. I didn't ask people. Que j'ai pas demandé aux gens. And I know it comes directly from God. Et puis je sais que ça vient directement de Dieu. And so for today. Donc pour aujourd'hui. Because we are talking about financial prosperity today. À cause qu'on parle de la prospérité financière. We will not take an offering today. On prend pas d'offrande aujourd'hui. So just so you know my heart. Donc juste pour que vous sachiez mon cœur. Because prosperity is in the Bible. À cause que la prospérité c'est dans la Bible. And so we must preach the full counsel of God. Donc il faut prêcher le conseil complet de Dieu. So it's only until a few weeks ago. Donc ça fait juste quelques semaines de ça. We started telling you guys that we're now feeding families in different neighborhoods. Que on vous a dit qu'on a commencé à nourrir de diverses familles dans les quartiers. And we're taking up offerings for these families. Et puis on prend des offrandes pour ces familles. So like I said, I never ask money for myself. Donc comme je dis, je demande jamais de l'argent pour moi-même. But I have no problem asking for money for people who are in need. Mais j'ai aucun problème à demander de l'argent pour des gens qui en ont besoin. There have been times throughout these 2 years in ministry. Il y a eu des moments à travers ces 2 ans de ministère. We have had individuals who had financial needs. Que on a eu des individuels qui ont eu des problèmes financiers. For whom we have taken up offerings for. Pour qui qu'on a pris l'offrande pour. And just this past week, et puis la semaine passée, just in the past couple of days, juste dans les journées passées, we have fed 8 Muslim families. On a nourri 8 familles musulmanes. And so what we offer, et puis ce qu'on offre, is $50 worth of groceries per family. Et $50 de nourriture par famille. And sometimes families won't stay within that limit. Et puis des fois, c'est des familles comme ça, ils vont pas rester dans la limite. Sometimes we will pay for double that amount for each family. Des fois, on va payer le double de ce montant-là par famille. So you guys can do the math on your own. Donc vous pouvez faire le mathématique pour vous-même. And I want to tell you guys that this project is bearing much fruit. Et puis je vais vous dire que ce projet porte beaucoup de fruits. There is one brother. Il y a un frère. Who is participating in this project? Qui a participé dans ce projet? Of helping families of those who are in need. D'aider des familles qui sont dans le besoin. And this brother uses the money out of his own pocket. Et puis ce frère utilise l'argent de ses poches. And there are people who have been calling him. Et puis il y a des gens qui l'ont appelé. Asking for groceries. Pour lui demander de la nourriture. He met a Hungarian couple. Il a rencontré un couple hongrois. And he asked them if they wanted to start what we call a discovery Bible study. Et puis il les a demandé s'ils voulaient commencer un groupe découverte. And in the beginning they seemed interested. Et puis au début ils avaient l'air intéressés. But then they started saying that they're too busy. Mais après ils ont dit ils étaient trop occupés pour ça. But they still kept asking for food. Mais ils ont quand même continué à demander pour la nourriture. So the brother he kept going there and kept buying them food. Et puis notre frère a continué à aller là-bas et nourrir. And after a while he was getting discouraged. Et puis après un moment, il a commencé à être découragé. But then what happened? Mais après ce qui s'est passé, is that this couple, c'est que ce couple, introduced him to another lady. Lui a introduit à une autre femme. A Hungarian lady. Une femme hongroise. Who also needed help. Qui avait aussi besoin. So he helped her as well. Et puis il l'a aidé aussi. And then this lady, et puis cette femme là, introduced him to another lady. Lui a introduit à une autre femme. Who also asked for groceries. Qui a aussi demandé pour l'épicerie. And the brother also helped this lady as well. Et puis notre frère lui a aidé aussi. Par But then something very special happened. Et puis après il y a quelque chose de vraiment spécial qui s'est passé. This lady whom he helped. Cette femme là qui l'a aidé. She was so touched by this action. Elle était tellement touchée par cette action. And she said
that I come from a Mormon background. Et puis elle a dit que je viens d'un background mormon. And none of the Mormon people ever did anything like this for me. Et puis aucun des gens mormons ont fait un tel acte. And she said, I don't know enough about the Bible. Et puis elle a dit, je connais pas trop par rapport à la Bible. I want to learn more about the Bible. Mais je veux apprendre plus par rapport à la Bible. And just yesterday, et puis juste hier, this brother, ce frère, started a Discovery Bible study, a commencé une groupe découverte, with this lady, avec cette femme, and all the others that referred him to her, et puis tous ceux qui lui ont référé à elle. And yesterday there were 7 people. Wow. Et puis hier ils étaient 7 personnes. So through this strategy, et puis à travers cette stratégie, our brother was able to gain access, notre frère a été capable de gagner accès, into a Hungarian community, dans une communauté hongroise. Yeah. So feeding these families, donc pour nourrir ces familles, is not in vain. Donc nourrir ces familles, c'est pas en vain. We do it for the glory of God. On le fait pour la gloire de Dieu. And God rewards us. Et puis Dieu nous récompense. According to our righteousness. Par rapport à notre justice. Amen. Amen. So, what we're gonna do today? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Because you know the Bible talks so much about this topic. À cause que la Bible parle beaucoup par rapport à ce sujet. Of course, I'm not able to cover everything about this topic. Bien sûr, je peux pas couvrir tout par rapport à ce sujet. But I'm going to try to squeeze in as much as I can. Mais je vais essayer de serrer tant que possible. Because as you guys know, I don't like talking about this topic. Et puis comme vous savez, j'aime pas parler par rapport à ce sujet. So I don't want to do like a part one and a part two. Donc je veux pas faire une partie 1, une partie 2. So after today, I don't know when's the next time I'm ever going to talk about this. Donc après aujourd'hui, je sais pas c'est quand je vais parler par rapport à so ça. So I'm going to try my best to squeeze in everything in this session. Alors je vais essayer de parler de le plus possible dans cette session. So I'm going to ask you guys for your patience. Et puis je vais demander pour votre patience. And so we're going to skim through the Bible. Donc on va aller à travers la Bible. Starting with Genesis. En commençant par Genèse. We're going to look at Genesis chapter 1. On va regarder Genèse chapitre 1. Verse 26 to 29. Verset 26 à 29. So whoever is there could go ahead and read it for me, please. Alors pour ceux qui sont là, ils peuvent le lire pour moi. And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female he created he them. He created he them. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Amen. Alors, Genèse chapitre 1, verset 26 à 29, ça dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout l'animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. So, this is describing the beginning of creation.
Donc ça décrit le début le commencement de la création. So when God created the heavens and the earth. Donc quand Dieu créa les cieux et la terre. And he created man. Et puis quand il a créé l'homme. He said, "Be fruitful and multiply." Il a dit soyez féconds et multipliez-vous. And he says, "I give you dominion." Et puis il a dit, je vous donne la dominion. Over the fish in the sea. Sur les poissons de la mer. Over the birds of the air. Sur les oiseaux du ciel. Over every herb. Sur toutes les herbes. Over every creeping and crawling thing. Sur tous les animaux qui se meuvent. Basically, over the whole earth. Dans d'autres mots, sur toute la terre. So, would you call this prosperity? Mais est-ce que tu appellerais ça la prospérité? Yes or no? Yes. So God prospered man right from the beginning. Donc Dieu a prospéré l'homme dès le début. So prosperity was the will of God from the beginning. Donc la prospérité c'était la volonté de Dieu dès du commencement. What is the will of God? C'est quoi la volonté de Dieu? That it would be on earth as it is in heaven. Que ça soit sur la terre comme qui est dans les cieux. Is there any poverty in heaven? Est-ce qu'il y a la pauvreté dans les cieux? So poverty cannot be the will of God. Donc la pauvreté peut pas être la volonté. But then what happened? Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Adam sinned. Adam a péché. And when Adam sinned, et puis quand Adam a péché, he gave over his dominion. Il a donné sa domination. He gave over his prosperity. Il a donné sa prospérité. And then came sin. Et puis là, le péché est rentré. Then came sickness. Puis c'est là que la maladie est arrivée. Then came death. Et puis c'est là que la mort est arrivée. Then came poverty. Et puis c'est là que la pauvreté est arrivée. Then came every curse. Et puis c'est là que la malédiction est arrivée. Because poverty is a curse. Parce que la pauvreté c'est une malédiction. If you read Deuteronomy 28. Si tu lis Deutéronome chapitre 28. Moses said, "I have set before you life and death." Moïse a dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie. If you obey me. Si tu m'obéis. You will prosper. Tu vas prospérer. You will have success. Tu vas avoir le succès. You will have blessing. Tu vas avoir de la bénédiction. You will reach the land flowing with milk and honey. Tu vas te rendre dans le pays qui a du miel et le lait et le miel. But if you sin against me, mais si tu pèches contre moi, then I will hand you over to your enemies. Puis là, je vais t'envoyer vers tes ennemis. And then you will hunger. Et puis là, tu vas avoir faim. Then you will thirst. Tu vas avoir soif. Then you will be in need. Là, tu vas être dans le besoin. So poverty is under. It is a curse. Donc la pauvreté c'est une malédiction. But the Bible says. Mais la Bible dit. That the first Adam was a living being. Que le premier Adam était un être vivant. But the second or the last Adam. Mais le dernier Adam. Was a life-giving spirit. Était un esprit qui donnait la vie. So Jesus was the last Adam. Donc Jésus était le dernier Adam. So let's examine the life of Jesus. Donc on va examiner la vie de Jésus. When he approached his disciples, quand il a approché ses disciples, he said, "Cast your net." He said, "Cast your net in the sea." Il a dit, envoie les filets dans la mer. And then what happened? Et puis qu'est-ce qui s'est passé? There were so many fish in the net. Il y a eu tellement de poissons dans le filet. That the net began to break. Que le filet a commencé à briser. So we see a man. Donc on voit un homme. Who has dominion. Qui a la domination. Over the fish of the sea. Sur les poissons de la mer. When Jesus cursed the fig tree, quand Jésus a maudit le l'arbre de figue, this is a man. Ça c'est un homme who has dominion, qui a la dominion over the herbs of the field, sur les herbes du terrain. So Jesus has the dominion. Donc Jésus a la dominion that God initially gave over Adam. Que Dieu a donné à Adam. He had dominion over the storms. Il avait l'autorité sur les tempêtes. He had dominion over the water. Il avait la dominion sur les eaux. He had dominion over the natural. Il avait la dominion sur le naturel. But not only that. Mais pas juste ça. Jesus also had dominion over the spiritual. Jésus avait la dominion aussi sur le spirituel. Jesus cast out devils. Jésus a chassé les démons. He cleansed the lepers. Il a guéri les lèpres. He healed the sick. Il a guéri les malades. So would you call this a life of prosperity? Donc, est-ce que tu appellerais ça une vie de prospérité? Yes or no? Yes. Yes. We know that Jesus was not living in luxury. On sait que Jésus habitait pas dans la luxure. But he was living in prosperity. Mais il vivait dans la prospérité. Jesus said, "Foxes have holes and birds have nests."
Jésus a dit que les animaux ont quelque part. D'accord. Les renards. Les renards ont des tanières, puis les oiseaux ont un nid. But the Son of Man has nowhere to rest his head. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme a nulle part à relaxer ça. And this was an answer to someone who said that he wanted to follow Jesus. Donc ça c'était une réponse à quelqu'un qui voulait le suivre. So following Jesus. Donc suivre Jésus. Is not following him to live a life of comfort. n'est pas une vie de confort. Following Jesus. Suivre Jésus. Is not living the American dream. N'est pas de vivre le rêve américain. True prosperity. La vraie prospérité. Is to be free to do what God has called you to do. Et d'être libre à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Jesus said, Jésus a dit, do not worry about what you will eat, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, what you will drink, de ce que vous allez boire, what you will wear, de ce que vous allez vous vêtir, but seek first, mais cherchez en premier, his kingdom, son royaume, and his righteousness, et sa justice, and everything will be added unto you. Et puis toutes ces choses seront rajoutées par après. I'll show you guys a testimony, je vais vous partager un témoignage, because I live by this principle, parce que moi j'ai vécu par ce principe. I'm not looking for a career. Je cherche pas une carrière that will make me a lot of money, qui va me donner beaucoup d'argent. I'm not trying to store up riches on this earth. J'essaie pas de me bâtir des richesses sur cette terre. But I am seeking first his kingdom, mais je cherche en premier son royaume, and his righteousness, et sa justice, by preaching the gospel, en prêchant l'évangile, making disciples, en faisant des disciples, advancing his kingdom, en avançant son royaume. And God has been faithful. Et puis Dieu a été fidèle. One person I was evangelizing to. Il y a une personne que j'étais en train de évangéliser. This was a few years ago. Ça fait une couple d'années de ça. Whenever I would see him, quand je le voyais, I would offer him prayer. Je l'offrais la prière. I would share the gospel to him. Je partageais la. I developed a relationship with him. J'ai développé une relation avec today, lui. Today, this man is still a very good friend of mine. Et puis jusqu'à aujourd'hui, cet homme-là est un très bon ami de moi. And a few years later. Et puis quelques années plus tard, this person who I ministered to, cette personne-là que j'ai prêché, he gave me a Volkswagen Jetta. Il m'a donné un Volkswagen Jetta. He gave me a car. Il m'a donné une voiture. Free of charge. Sans frais. So if I would have not been seeking his kingdom, et puis si j'aurais pas cherché le royaume, if I would not have been preaching the gospel, si j'aurais pas prêché la parole, maybe I would have never gotten this car. Peut-être j'aurais jamais eu cette voiture. Not maybe, I definitely would have never gotten this car. Pas peut-être, mais définitivement j'aurais pas eu cette voiture. So a lot of our blessings, et puis beaucoup de nos bénédictions, they are in the harvest. Ils sont dans le moisson. So seek first his kingdom, donc cherchez en premier and his righteousness, et sa justice, and everything will be added unto you. Et puis tout le reste sera rajouté à toi. So, like I said, Jesus didn't live a comfortable life. Donc comme je dis, Jésus n'a pas vécu une vie confortable. But to say that Jesus was poor, mais de dire que Jésus était pauvre, that would be misleading. Ça serait not true. Yeah. Because you cannot say that Jesus was poor. Parce que tu peux pas dire que Jésus est pauvre. Because he had food whenever he wanted. Parce qu'il avait la nourriture quand il voulait. He could get fish whenever he wanted. Il pouvait avoir du poisson quand il voulait. He could get bread whenever he wanted. Il pouvait avoir du pain quand il voulait. He could get coins whenever he wanted. Il pouvait avoir de l'argent quand il voulait. How did he pay his taxes? Comment il a payé ses taxes? He got a coin from the mouth of a fish. Il a eu l'argent de la bouche d'un poisson. So Jesus lived in prosperity. Donc Jésus a vécu dans la prospérité. He didn't live in luxury. Il a pas vécu dans la luxure. But he did live in prosperity. Mais il a définitivement vécu dans la prospérité. Because like I said, parce que comme que j'ai dit, poverty is a curse. La pauvreté c'est une malédiction. And Moses describes the characteristics of poverty. Et puis Moïse a décrit les caractéristiques de la pauvreté. Which is hunger. Que c'est la faim, is thirst, la soif, nakedness, la nudité, and in need of everything. Et puis un besoin de tout. But the Bible says, mais la Bible dit, that Jesus became poor, que Jésus est devenu pauvre, that you through his poverty, que toi à travers sa pauvreté, might become rich. Tu puisses être riche. So we know that Jesus wasn't poor. Non, on sait, on He wasn't poor. Non, on sait que Jésus n'était pas pauvre. But Jesus became poor. Mais Jésus est devenu pauvre. On his way to the cross.
sur son chemin à la croix. Because he fulfilled these four characteristics. À cause qu'il a accompli ces quatre caractéristiques. At the cross, he was hungry. À la croix, il avait faim. He hadn't eaten in 24 hours. Il n'avait pas mangé depuis 24 heures. At the cross, he was thirsty. À la croix, il avait soif. If you guys remember, he said, "I thirst." Et, comme vous vous rappelez, il a dit, j'ai soif. At the cross, he was naked. À la croix, il était nu. And he was in need of everything. Et puis il était en besoin de tout. He died with zero possession. Il est mort sans aucune possession. All he had was a robe that someone borrowed him. Tout ce qu'il avait, c'était une tunique que quelqu'un lui avait donnée. So the Bible says that Christ has redeemed us from the curse of the law. Donc la Bible dit que Jésus nous a sauvé de la malédiction de la loi. So by his stripes we are healed. Donc par ses meurtrissures on est guéri. By his punishment we are forgiven. Par sa punition on est pardonné. By his poverty we are rich. Par sa pauvreté on est riche. And by his death and resurrection we have eternal life. Et par sa mort et sa résurrection on a la vie éternelle. So when Jesus died and rose again, alors quand Jésus est mort et ressuscité, he reestablished man's original purpose. Il a réétabli la position originale de l'homme. He said, "All authority on heaven and on earth has been given unto me." Il a dit toute l'autorité dans les cieux et sur la terre a été donnée à moi. Now you go. Il a dit mais maintenant vous allez. And be fruitful and multiply. Et soyez féconds et multipliez-vous. He said, "Make disciples." Il a dit faites des disciples. In other words, multiply yourselves. Dans d'autres mots, multipliez-vous. Not only naturally. Pas seulement dans le naturel. I think the commandment that is the most obeyed. Moi je crois que le commandement qui est le plus obéi. In the history of humanity. Dans l'histoire de l'humanité. Is to be fruitful and multiply naturally. c'est d'être fécond et se multiplier naturellement. But Jesus is now saying not only to multiply naturally. Mais Jésus il dit pas juste de se multiplier naturellement. But now you must multiply spiritually. Mais maintenant vous devez vous multiplier spirituellement. Because all authority. À cause que toute l'autorité. On heaven and on earth. Sur les cieux dans le ciel et sur la terre. Has been given unto me. A été donné à moi. So now I am reestablishing. Donc là je suis en train de rétablir. Man's original mandate. Le mandat original de l'homme. To be fruitful and multiply. Pour être fécond et de se multiplier. To have dominion, pour avoir la dominion, not only over the natural, pas seulement sur le naturel, but also over the spiritual, mais aussi sur le spirituel. Jesus said to preach the gospel to every creature. Jésus a dit de prêcher l'évangile à toute la création. And these signs will follow them that believe. Et puis ces signes suivront ceux qui croient. They will cast out devils. Ils vont chasser les démons. They will take up serpents. Ils vont prendre des serpents. They will drink any deadly poison. Ils vont boire des poisons mortels. And it will not harm them. Et ça va pas leur faire du mal. They will lay hands on the sick. Ils vont mettre leurs mains sur les malades. And the sick shall recover. Et les malades seront guéris. So who reestablished? Donc c'est qui a rétabli the dominion of man, la dominion de l'homme over the natural, sur le naturel and over the spiritual. Et sur le spirituel. Amen. Amen. Now we're going to talk about tithing. Et puis maintenant on va parler de la dîme. Because several people throughout my time in ministry have been asking me this question. Parce que plusieurs gens à travers mon ministère m'ont demandé cette question. Because I was never asking for any tithes or offerings. Parce que je demandais jamais pour la dîme ou l'offrande. So today I will clarify it for you guys. Donc maintenant aujourd'hui je vais clarifier ça pour vous. Once and for all. Une fois pour toutes. I don't know when's the next time I'm ever going to talk about this. Je sais pas c'est quand la prochaine fois je vais parler de ça. So please pay attention. Donc s'il vous plaît faites attention. All right. Écoutez-moi. So when do we see tithing first? Donc c'est quand on voit la dîme dans en premier. We see it first with Abraham. On le voit en premier avec Abraham. With Melchizedek. Avec Melchizedek. The high priest of the Most High God. Le grand prêtre du Dieu tout. So we know that Abraham gave his tithes to Melchizedek. Donc on sait que Abraham a donné son offrande. Sa dîme à Melchizedek. So I'm not going to go into who is Melchizedek because that's a whole other story, okay? Donc je vais pas aller dans c'est qui Melchizedek parce que c'est toute une autre histoire. But Abraham gave his tithes to Melchizedek. Mais Abraham a donné sa dîme à Melchizedek. And we see Jacob as well. Donc on voit aussi Jacob.
He gave his tithes to the Lord. Il a donné sa dîme au Seigneur. When the Lord appeared to him in a dream. Quand le Seigneur s'est révélé à lui dans son rêve. Jacob made an altar. Donc Jacob s'est fait un autel. And he said, I will give you a tithe of everything I have. Et puis il a dit, je vais donner une dîme de tout ce que j'ai. So a tithe, all it means is 10%. Donc une dîme, ça veut simplement dire 10%. That's all that means. Donc c'est ça que ce que ça. So something that is interesting. Donc ce qui est intéressant. That I should mention. C'est que je devrais mentionner. When Abraham and Jacob. Quand Abraham et Jacob. They gave their tithes to the Lord. Ils ont donné leur dîme au Seigneur. This was way before the law. Donc ça c'était bien avant la loi. This was 430 years before the law of Moses. Ça, c'était 430 ans avant la loi de Moïse. Before Moses established it as a commandment. Avant même Moïse a établi ça comme une loi. So Abraham and Jacob, they didn't give their tithes in obedience to a commandment. Donc Abraham et Jacob, ils n'ont pas donné leur dîme par rapport à un commandement. They gave their tithes as an act of worship. Ils ont donné leur dîme comme une action de grâce, une action de louange. As an act of gratitude. Comme une action de remerciement. As an act of thanksgiving. Une action de remerciement. So they weren't obligated by the law to do it. Donc ils n'étaient pas obligés par la loi de le faire. But they did it as an act of worship. Mais ils l'ont fait comme un acte de louange. So that same principle. Donc ce même principe. Can still be applied today. Peut être appliqué même aujourd'hui. We are no longer under the law of Moses. On n'est plus sous la loi de Moïse. But it would not be contrary to the scripture. Mais c'est pas contraire aux écritures. To give your tithes. De donner votre dîme. Or to give offering. Ou de donner une offrande. As an act of worship. Comme une action de louange. Not as an act of compulsion. Mais pas un acte de forcé. Obligatoire. Because acte forcé, ouais. God loves a cheerful giver. Parce que Dieu aime un donneur joyeux. So let's talk about tithing under the law of Moses. Donc, on va parler de la dîme sous la loi de Moïse. So when the law of Moses came, et puis donc, quand la loi de Moïse est arrivée, it was a commandment to tithe. C'était un commandement de donner sa dîme. You had no choice but to tithe. Tu n'avais pas le choix de donner ta dîme. And if you didn't tithe, et puis si tu n'avais pas donné ta dîme, a curse would come upon you. Une malédiction viendrait sur toi. This was under the law of Moses. Ça c'était sous la loi de Moïse. What were the purpose of the tithes? C'était quoi le but de la dîme? The tithes was to support the Levites. La dîme c'était pour supporter les Lévitiques. The priests. Les Lévites, les sacrificateurs. Also to help the poor. Et aussi d'aider les pauvres. To help those that were ministers. Pour aider ceux qui étaient ministères. To supply God's house. Pour fournir la maison de Dieu. And to honor God. Et puis pour honorer Dieu. So today we do not have Jewish temples anymore that are managed by Levites and priests. Donc aujourd'hui on a plus des temples juifs qui sont dirigés par des Lévites. So this specific law is no longer in effect. Donc cette loi spécifique est plus applicable. However, as I mentioned, mais comme j'ai mentionné, just like Abraham and Jacob, comme Abraham et Jacob, before the law they gave their tithes unto the Lord. Même avant la loi, ils ont donné leur dîme au Seigneur. Us as New Testament believers. Donc nous en tant que croyants dans le Nouveau Testament. It is okay for us. C'est bien pour nous. To give tithes and offerings. De donner une offrande ou une dîme. As an act of worship. Comme un acte de louange. As an act of thanksgiving. Comme un acte de remerciement. Even to support ministers. Même pour supporter des ministères. Even to support missionaries. Même pour supporter des missionnaires. It's permissible. C'est permis. For you to give out of your own will. De donner par ta volonté. Not out of compulsion. Pas à travers l'obligation. Not because you're going to be cursed. Pas parce que tu vas être maudit. And let me be absolutely clear on this. Et puis je veux être absolument clair sur ça. Even if you don't tithe. Même si tu donnes pas ta dîme. Even if you don't give. Même si tu donnes pas. You will not be cursed. Tu vas pas être maudit. Because Jesus has redeemed us from the curse of the law. Parce que Jésus nous a sauvés de la malédiction de la loi. So let's look at tithing under the New Testament. Donc on va regarder la dîme sous le Nouveau Testament. So tithing under the New Testament is almost non-existent. Donc la dîme sous le Nouveau Testament est presque non-existante. The only time it is mentioned. La seule fois que ça a été mentionné. Is when Jesus was rebuking the Pharisees. C'est quand Jésus était en train de réprimander les pharisiens. He says that yes, you give your tithes. Il a dit oui, vous donnez votre dîme. But you neglect the weightier matters of the law. Mais vous négligez les
The most important. Mais vous négligez les commandements les plus importants. Which is love, mercy, and justice. Que c'est la miséricorde, l'amour et la justice. So that's one time that Jesus mentioned it in the Gospels. Donc c'est la seule fois que Jésus l'a mentionné dans les évangiles. Another time is when he gave a parable. C'est une autre fois, c'est quand il a donné une parabole. Of a Pharisee and a tax collector. D'un pharisien et un collecteur de taxes. And the Pharisee was saying, "Thank you, Lord, that I'm not like this tax collector." Et puis le pharisien était en train de dire, "Oh merci Seigneur parce que je suis pas comme ce collecteur de taxes." Because I fast twice a week. Parce que je jeûne deux fois par semaine. And I give my tithes. Et puis je donne ma dîme. But the one who was justified in that story. Mais celui qui est justifié dans cette histoire. Was not the one who gave his tithes. C'est pas celui qui a donné sa dîme. It was the sinner who was beating his chest. Mais c'est le pécheur qui était en train de battre sa poitrine. Saying, Lord, have mercy on me, a sinner. Puis il disait, Seigneur, aie miséricorde sur moi, je suis un pécheur. And so, these are the only mentions of tithes in the New Testament. Et puis ces deux histoires c'est les seules mentionnées dans le Nouveau Testament. And technically, it's still under the Old Testament. Donc techniquement, sous l'Ancien Testament. Because Jesus didn't yet go to the cross. Parce que Jésus n'était pas à la croix. But after Jesus died and rose again. Mais après que Jésus est mort et ressuscité. He told his disciples. Il a dit à ses disciples. To make disciples. De faire des disciples. By teaching them to obey everything I have commanded you. En leur enseignant à obéir tout ce que je vous ai enseigné. Right? But Jesus never mentioned tithes to the disciples. Mais Jésus n'a jamais mentionné la dîme à ses disciples. So as disciples of Jesus. Donc en tant que disciples de Jésus. We are no longer under the law of Moses. On n'est plus sous la loi de Moïse. Which commands us to give tithes. Qui nous ordonne à donner de la dîme. We are now under the law of Jesus. Maintenant on est sous la loi de Jésus. The law of the Spirit. La loi de l'esprit. The law of grace. La loi de la grâce. Which is to love the Lord your God. Qui est d'aimer ton Dieu, l'Éternel ton Dieu. With all your heart, mind, soul, and strength. De tout ton cœur, pensée, âme. And to love your neighbor as yourself. Et puis d'aimer ton prochain comme toi-même. This is the fulfillment of the law. Puis ça c'est l'accomplissement de la loi. Now, Jesus did say. Donc Jésus a dit. To a young rich ruler. À un homme riche. He said, "If you want to be perfect, il a dit, si tu veux être parfait, sell all your." He didn't say give tithes. Donc il a pas dit donne ta dîme. He said, sell all your possessions. Il a dit vends toutes tes possessions. And give to the poor. Et puis donne-le aux pauvres. Because Jesus says you cannot serve both God and money. À cause que Jésus a dit tu peux pas servir soit Dieu et maman. Right? Because the love of money is the root of all evil. À cause que l'amour de l'argent c'est la racine de tout mal. So if money is your idol, donc si l'argent c'est ton idole, you have to be willing to let go of this money. Il faut que tu laisses partir cet argent. For you to have eternal life. Pour avoir la vie éternelle. That's why the Bible says it is difficult for the rich to inherit the kingdom of heaven. C'est pour ça que la Bible dit que c'est difficile pour un homme riche d'aller au royaume de Dieu. So how was tithing practiced in the New Testament? Donc comment la dîme est pratiquée dans le Nouveau Testament? Let's just look at the book of Acts. On va regarder les livres des Actes. The people were selling their possessions. Le peuple était en train de vendre leurs possessions. And they were giving to everyone according to the needs of the people. Et puis ils étaient en train de donner à tout le monde par rapport à leurs besoins. So a lot of people will say, I'm not going to give my tithes because it's not biblical. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, je vais pas donner ma dîme parce que c'est pas biblique. But if you want to be really biblical, mais si tu veux être vraiment biblique, then sell all your possessions. Donc vends toutes tes possessions. And give to the poor. Et donne-le aux pauvres. So what I would say, donc ce que moi je dirais, if you're not at that level where you're ready to do that yet, c'est que si tu es pas à ce niveau-là à faire ça, at least start with 10%. Au moins donne ton 10%. Even though you're not under the law or obligation to do it. Même si tu n'es pas sous la loi obligé à le faire. As an act of worship unto your God. Mais en tant qu'action de louange à ton Dieu. So now let's talk about sowing and reaping. Donc maintenant on va parler de semer et de récolter. Because this is something that has been wrongly taught as well. Parce que ça c'est une chose qui a été faussement enseignée aussi. The law of sowing and reaping is biblical. La loi de semer et de récolter est biblique. But the Bible says that every tree or every being reproduces after its own kind. Mais la Bible dit que tout arbre et tout être reproduit quelqu'un après son propre species. Ça, if you guys have watched much Christian television,
si vous avez écouté beaucoup de Christian television, you may know what I'm talking about. Vous savez peut-être de ce que je parle. When people will tell you, quand les gens vont te dire, to give $77, de donner 77 dollars, in accordance with the Jewish tradition, par rapport à la tradition juive, so that God will bless you, pour que Dieu te bénisse, and so God will give you an anointing. Donc Dieu va te donner une onction. God will give you a special blessing. Dieu va te donner une bénédiction spéciale. So all of that is nonsense. Donc tout ça c'est insensé. It is true that he who reaps much will he who sows much will reap much. C'est vrai que ceux qui sèment beaucoup, ils vont beaucoup récolter. He who sows sparingly or little will reap little. C'est vrai que ceux qui sèment peu, ils vont récolter peu. But what you sow and what you reap, mais ce que tu sèmes et ce que tu récoltes, is the same. Est le même. So if you sow money, donc si tu sèmes l'argent, you're going to reap money. Tu vas récolter l'argent. You're not going to reap healing. Tu vas pas récolter la guérison. You're not going to reap deliverance. Tu vas pas récolter la délivrance. You're not going to reap an anointing. Tu vas pas récolter la l'onction. You're not going to reap a special calling. Tu vas pas récolter un appel spécial. You're going to reap money. Tu vas récolter l'argent. If you sow to your flesh, si tu sèmes à ta chair, you will reap corruption. Tu vas récolter la corruption. You will not reap life. Tu vas pas récolter la vie. If you sow to the spirit, si tu sèmes dans si tu sèmes l'esprit, you will reap life. Tu vas récolter la vie. So every seed reproduces after its own kind. Every seed. Yeah, every seed or everything. Toute semence reproduit après son espèce. So you cannot buy the gift of God. Donc tu peux pas acheter le don de Dieu. Actually, this is condemned. Donc en fait ça c'est condamné. You cannot buy healing. Tu peux pas acheter la guérison. You cannot buy deliverance. Tu peux pas acheter la délivrance. So everybody, all these Christian preachers on TV doing this. Donc tous ces prédicateurs chrétiens qui font ça are in violation to the word of God. Ils sont dans violation de la parole de Dieu. All right. So I hope I'm not going to because like I said, there's a lot of information here. And I really don't want to come back to this topic because I don't like talking about it. So I'm going to try to get everything done. Donc comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à en parler. J'aime pas trop parler de ça, donc je vais essayer de parler plus. So please have patience with me. Donc s'il vous plaît, soyez patient avec moi. We're going to look at the life of Moses. On va regarder la vie de Moïse. Let's go to Hebrews 11. On va aller à Hébreux chapitre 11. Verse 24. Verset 24. So whoever is there could go ahead and read it for me, please. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaoh. Sorry, all the way to 26. Okay. Oh, okay. Wait. Yeah, 26. Okay. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. All right. So Moses he grew up in the temple under Pharaoh. Donc Moïse a grandi dans le temple sous Pharaon. He lived a life of comfort and luxury. Il a vécu une vie de confort et de luxure. And he left this life of comfort and luxury. Et puis il a quitté cette vie de confort et de luxure. To go live amongst God's people. Pour aller vivre parmi le peuple de Dieu. To deliver them out of bondage from Egypt. Pour leur délivrer de l'Égypte. So let me ask you a question. Donc je vais vous demander une question. Would you rather live your life in the palace? Est-ce que vous préférez vivre votre vie dans le palais? Or would you rather live your life
in the wilderness? Où aimeriez-vous vivre votre vie dans le désert? Wilderness. Wherever Jesus is. Amen, sister. Is that what you say? Wherever Jesus is. Amen, amen. Yeah. Would you rather live a life of riches? Est-ce que tu aimerais vivre une vie de richesse? On this earth? Sur cette terre? Or riches in heaven? Ou richesse dans le ciel? But let me tell you something. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Living your life with your mindset having riches in heaven. Vive une vie avec vos pensées fixées sur la richesse, les richesses au ciel. Is not so bad. N'est pas très mauvais. Look at the life of Moses. Regardez la vie de Moïse. Yes, he left his palace. Oui, il a quitté son palais. Yes, he left comfort and luxury. Oui, il a quitté le confort et la luxure. But he split the Red Sea. Mais il a traversé la mer Rouge. He brought food, he brought manna from heaven through God obviously. Oui. oui, il a Dieu lui a envoyé la manne du ciel. He spoke with God face to face. Oui, il a parlé avec Dieu face à face. He had favor with God. Il a eu la faveur de Dieu. God called him his friend. Dieu lui a appelé son ami. God fed the people supernaturally. Dieu lui a utilisé de nourrir le peuple surnaturellement. Would you call that prosperity? Est-ce que tu appellerais ça la prospérité? He didn't live in poverty. Il n'a pas vécu dans la pauvreté. It was Moses himself who said. C'est Moïse lui-même qui a dit. God gives you power to create wealth. Dieu te donne la puissance de créer la richesse. He said, "You will be the head and not the tail." Il a dit, tu vas être la tête et non la queue. He said, "You will lend and not borrow." Il a dit, tu vas prêter mais pas emprunter. He said, "I give you power to create wealth." Il a dit, je t'ai donné la puissance de créer la richesse. To establish my covenant on earth. Pour établir mon alliance avec moi sur la terre. So there are two reasons that God wants to bless us. Donc il y a deux raisons pourquoi Dieu veut nous bénir. He wants to establish his covenant on earth. Il veut établir son alliance avec nous sur la terre. In other words, you could say he wants to advance his kingdom on earth. Dans d'autres mots, il veut avancer son royaume sur la terre. And secondly, he wants us to help those who are in need. Et puis deuxièmement, il veut nous aider il veut nous bénir pour aider ceux qui sont dans le besoin. The Bible tells us to let him who is stealing stop stealing and work so that they could provide for those who are in need. La Bible dit que Dieu dit à ceux qui volent d'arrêter de voler mais de commencer à travailler pour aider ceux qui sont dans le besoin. So what is the key to success? Donc c'est quoi la clé pour le succès? Joshua gives us the key. Josué nous donne la clé. That this book of the law, que ce livre de la loi, will not depart from your mouth, ne s'éloigne pas de ta bouche. But you should obey it, that you should meditate everything that is written in it. Mais que tu médites sur tout ce qu'il est écrit. You should obey everything that is written in it. Que tu obéisses à tout ce qu'il est écrit. And then you will prosper. Et puis après cela, tu vas prospérer. And then you will have success. Et puis là, tu vas avoir le succès. The key to success is all in this Bible. La clé au succès est tout dans ce livre. If you just read about the leading business people in the world. Si tu fais juste lire par rapport aux gens qui dirigent des business. They will tell you themselves. Ils vont te dire eux-mêmes. That they obey principles of the Bible. Que ils obéissent des principes de la Bible. Many of you may know Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Plusieurs parmi vous connaissent Robert Kiyosaki. He says, "I'm not a religious person." Il dit que je ne suis pas une personne religieuse. But one principle I obey, mais un principe que j'obéis, is that I pay tithes, c'est que je donne mes dîmes. And I give to the poor. Et puis je donne aux pauvres. And that's one of his keys to success. Et puis cela c'est un de ses clés pour le succès. So even the richest people in the world, donc même les gens les plus riches dans ce monde, they're using principles from the Bible. Ils sont en train d'utiliser des principes de la Bible. So let's look at David very quickly. Donc on va regarder au roi David vraiment vite. David was clearly abundantly blessed. David était clairement béni abondamment. And he quotes, "The Lord is my shepherd." Et puis il dit, le Seigneur est mon berger. I shall not want. Je ne manquerai de rien. I shall not be in need. Je ne serai pas dans le besoin. He goes on to say. Donc là il va pour dire. I have never seen the righteous forsaken. Il a dit, j'ai jamais vu le juste abandonné. Nor their descendants begging for bread. Même leur descendance
demander pour de l'aide. Now, let's look quickly at Solomon. Non, on va voir vite Salomon. Solomon also was the most blessed man on the face of the earth. Salomon aussi était l'homme le plus béni sur la face de la terre. So what were his principles that he used? Donc c'était quoi ces principes qu'il a utilisés? Proverbs gives us a lot of these principles. Proverbes nous donne beaucoup de ces principes. He says that diligent hands. Il a dit des mains diligentes. Will make you rich. Va te rendre riche. So the principle of working hard. Donc le principe de travail fort. It does give you financial rewards. Te donne des récompenses financières. These are also principles that are used by the leading businessmen in the world. So, c'est ça aussi, c'est des principes par les gens qui ont des business dans le monde. And work in itself is not a curse. Donc le travail en tant que tel n'est pas une malédiction. Because God asked Adam to tend and keep the garden even before he fell. Parce que Dieu a demandé à Adam de prendre soin du jardin même avant qu'il tombe dans le péché. The curse came after he sinned, and God said that now your work will be unbearable. Donc la malédiction est arrivée après que Adam a désobéi, et puis il a dit que tu vas travailler par la sueur de ta face. But Christ has redeemed us from the curse of the law. Amen. Amen. Mais Jésus nous a sauvés de la malédiction de la loi. Solomon also says a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands. Donc Salomon a dit un peu de sommeil, un peu de paresse. If you love sleep, il a dit si tu aimes. If you're lazy, si tu aimes le sommeil, si tu es paresseux. Poverty will come upon you. La pauvreté va venir sur toi. And that's what the apostle Paul said. Puis c'est à cause de ça que l'apôtre Paul a dit. If someone is not willing to work, si quelqu'un veut pas travailler, he should not even eat. Et puis qu'il ne mangera pas. Solomon also said. Et puis Salomon a aussi dit, he who has pity on the poor, celui qui a pitié des pauvres, he who gives to the poor, celui qui donne aux pauvres, is lending to the Lord. Il est en train de donner au Seigneur. Amen. 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 So I'm gonna quickly conclude. Donc je vais conclure vite. I'm gonna quickly say what Jesus said about prosperity. Donc je vais vite dire ce que Jésus a dit par rapport à la prospérité. Jesus said, "Do not lay up for yourself treasures on this earth." Il a dit, ne ramassez pas des richesses dans ce monde. But lay up for yourself treasures in heaven. Mais ramassez-vous des richesses dans le ciel. Jesus said, "You cannot serve both God and money." Il a dit, tu peux pas servir Dieu et Mammon et l'argent en même temps. Jesus said, "Do not worry." Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. About you, what you will eat. De ce que vous allez manger. Or what you will wear. De ce que vous allez vous vêtir. But seek first His kingdom. Mais recherchez en premier. And his righteousness, et sa justice, and everything will be added unto you. Et puis tout le reste sera rajouté à toi. Jesus said, "What will it profit for a man?" Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme? To gain the whole world, de gagner le monde entier, but yet forfeit his soul, mais de perdre son âme. So Jesus didn't live a life of luxury. Donc Jésus n'a pas vécu une vie de luxure. He lived a life of suffering. Il a vécu une vie de souffrance. But he did live a life of prosperity. Mais il a vécu une vie de prospérité. So ask yourself this question. Donc demandez cette question à vous-même. Would you rather live a life of luxury? Est-ce que vous préférez vivre une vie de luxure? A life of comfort? Une vie de confort? A life of riches on this earth? Une vie de richesse dans ce monde? Or would you rather live the life of Jesus? Ou vous préférez vivre la vie de Jésus? Only you can answer that question. Seulement toi tu peux répondre à cette question. Paul and the apostles. Paul et les apôtres. They didn't live a life of luxury. Ils n'ont pas vécu une vie de luxure. They didn't live a life of comfort. Ils n'ont pas vécu une vie de confort. But they lived the life of Jesus. Mais ils ont vécu la vie de Jésus. They lived the life of the supernatural. Ils ont vécu la vie du supernaturel. They lived the life of prosperity. Ils ont vécu une vie de prospérité. God provided their needs. Dieu a pourvu leurs besoins. They healed the sick. Ils ont guéri les malades. They cast out devils. Ils ont chassé les démons. They raised the dead. Ils ont ressuscité they les morts. They made disciples. Ils ont fait des disciples. They shook up their city. Ils ont tremblé leur cité. They stood before kings. Ils sont restés debout devant des rois. They turned the world upside down. Ils ont tourné le monde à l'envers. They lived the life of prosperity. Ils ont vécu une vie de prospérité. Because true prosperity, à cause que la vraie prospérité, is being free, c'est d'être libre, to do what God has called you to do. De ce que Dieu t'a appelé à faire. Amen.